Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au FestiFoot 2021, week-end de rentrée du football des adolescents et des adolescentes. Aujourd'hui, au Centre Technique Régional de Châteauroux, nous avons le plaisir d'accueillir 16 équipes U13 garçons, 12 équipes U13 filles, ainsi que 4 équipes de la Fédération Sport Adapté. Demain, ce sera au tour des U15 avec 16 équipes garçons, 12 équipes filles, ainsi que 4 équipes de la Fédération Handisport. Ce week-end est placé sous le signe des pratiques loisirs. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les pratiques loisirs? Eh bien, ça correspond au golf au foot, au foot en marchant, au fit foot, au futsal, au beach soccer, ainsi que au foot à effet cuivre réduit. Nous avons agrémenté ce week-end également d'une sensibilisation à l'arbitrage. Je profite de ce petit moment pour remercier vivement la région Centre-Val de Loire pour leur soutien à Failly. Moi c'est le beach soccer car j'ai bien aimé jouer dans le sable. Moi aussi c'est le beach soccer, c'était marrant. Moi aussi c'est beach soccer parce que bah ça fait bizarre de jouer dans le sable et puis bah c'est cool à faire. Le golf parce que bah j'ai bien aimé parce que bah il y avait plusieurs étapes et puis ça demandait de la concentration. Le golf parce que je savais pas cadrer donc ça m'apprenait à cadrer. Le golf parce que j'arrive pas à tirer avant donc maintenant j'arrive à tirer. Moi j'ai bien aimé les matchs parce que ça nous apprend à nous placer et on est tous ensemble. Moi les matchs parce que c'était mon premier match avec le club. Moi c'était le futsal parce que je trouve que c'est plus facile à jouer. Moi c'était le foot normal parce qu'on court plus et il n'y a pas plus de règles que le futsal. Moi c'était le foot à pied parce que j'aime trop marcher. Bah oui, j'aime trop marcher. Donc franchement, bonne organisation de la part de la Ligue, une journée bien organisée avec plusieurs activités. Très agréable, très beaucoup complexe. C'est sympa de jouer contre des équipes d'autres départements, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire tout au long de l'année. Donc ça fait plaisir déjà de retrouver l'activité du foot après 2 ans compliqués, donc ça fait plaisir. Exactement. C'est un super événement, il y a plein de clubs mobilisés, de jeunes, aussi d'adultes à travers l'arbitrage, le sport adapté. Ça permet de découvrir de nouvelles disciplines, j'ai vu du fit foot, c'est ça si je ne me trompe pas, du foot en marchant aussi, donc ça c'est plus à terme pour les plus âgés. Donc c'est pas que le foot, il faut aussi diversifier les activités, donc ça je trouve ça vraiment super. Et bah, la région est partenaire de cet événement depuis plusieurs années et elle continuera à l'être pour soutenir ce beau projet.